Ça y est, le créateur de faille pour Memento. On sera à top lane, on veut essayer d'agresser un maximum Bagulu qui prend quelques dégâts. On ulti aussi pour le Rakan, on met l'Ignite, on va essayer de partir au dive, c'est dangereux. Pour la TLC, on n'a pas les dégâts. Et Dost, oh, tellement cher. Mon dieu, les dégâts de la tour. L'arrivée de Yaik ici, on va tout de même utiliser le Cyclone. À 40 secondes de l'arrivée du dragon, c'est donc deux ultis de teamfight très importants qui sont partis pour l'LDLCOL. Ah, ils vont peut-être pas le fight le dragon, par contre ils pourraient essayer d'aller chercher une T2. Avec potentiel pour Ragnar. Est-ce qu'il arrive à pull le dragon de son côté? Dans les mirages Géandra qui parviennent à le retenir sur le bas de la river. Dans son dos, ça y est, le fight qui finit par éclater. Rangjun qui va tenter d'entrer dans le fight. Eka qui s'est parfaitement repositionné comme distributeur du fight également. Tous les summoners ont été utilisés pour le carry AD nord-américain. Et maintenant, on saute dans la mêlée pour les LDL Spell. Rangjun, peut-être l'exploit. L'exploit Yone, non, quelle esquive de Hexakick. Superbe dash, Tréton. Superbe dash. Superbe dash, et qui va aller chercher jusque dans la base avec Eka. On va très très loin pour prendre le kill sur Raxo qui ne s'enfuira pas malheureusement. L'LDSP qui remporte largement ce fight avec un 4-0. Très bien maîtrisé, qui a coûté tout de même beaucoup de flash, 4 en l'occurrence. On va en voir des Azir, je pense, aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs dans le prochain match. J'avoue, dans le Géo Café. Ah, oh, elle est belle la trajectoire de ce dieu de la forge. Et ça va faucher plusieurs joueurs, hein. L'LDSPL qui dive. Oh là là, quel stopwatch du côté de Yaik qui outplay complètement le tyran, je vais peut-être du côté de Collision, peut-être du côté de cette Jinx. La partie sur Imperial de Eka ne sera pas suffisante. Exakick qui se jette dans la mêlée, mais c'est un triple kill pour Collision. Collision qui pourra pas enchaîner malheureusement, mais ça reste une Jinx qui prend quelques shutdowns, qui prend quelques gold, qui offre peut-être un espoir au Mirage Géandra et à l'Eldelstoel qui ont voulu dive. Ne peut pas du tout passer contre ce round. Par contre, un style de Memento. Ah là, il a le Blasting Cone, ça semble ouvert. Oui, le pion est clairement sur la table, attention le fight qui se déclenche directement. Codison qui est obligé de reculer. Codison qui se retrouve loin de ses troupes ici. Peut-il malgré tout faire la différence? Il est pas mort, Exa. C'est ridicule. Codison est toujours là, Codison est toujours là pour l'instant. Mais il n'a pas de reset pour le moment, il DPS, il met absolument tout. Mais aucun des joueurs LTLC n'est tombé. Comment est-ce possible? Exaki a pris 3 bumps, il était mal positionné, il n'a pas pris de dégâts. 6 secondes où il, a pu nous lâcher beaucoup d'auto. Il n'a pas d'yeux et là il a même plus de mana tellement il n'arrive pas à les tuer, il n'a plus de mana. T'as raison, le pas d'yeux. Le pas d'yeux qui pour l'instant fait mal. Gage à ultimate de Rakan, on trouve le bum, double bum qui va être suivi. Attention tout de même à Condition qui prend un reset, il peut dépasser pour le moment, mais Exa, on n'a pas les dégâts. Oh, Exakick peut s'avancer évidemment, regardez Exakick qui traverse la frontline des Mirage et André. On arrive tout de même à prendre un kill pour Condition, on arrive à le calmer un petit peu. Mais malheureusement son équipe est déjà tombée. Triple kill du côté de Eka dans ce fight, mais quelle remontée effectivement d'Aika. L'LCOL gagne le fight et gagne la game a priori. Au niveau des timers de mort, il semblerait que Raxo soit seul pour un long moment. Il va prendre le tarif en plus de ça, il ne touchera pas terre. Le trampoline pour Raxo qui ne pourra strictement rien faire. L'LCOL qui vont conclure ce match, qui sont donc en 3-0. Pour le moment toujours aucune défaite. Et une approche de la méta qui, selon moi, sur ce patch, est la plus puissante et semble assez excellente. On l'a vu, il y a peu de faiblesses à cette composition. Ces trois premiers picks, Ornn, Wukong, Rakan, efficacité absolue.